Bienvenue à votre chaîne Arte Contor, art avec tout. Aujourd'hui avec le thème art avec tout type de photographie. La première image photographique a été faite par Niepce en badigeonnant une plaque d'argent polie avec du bitume de Judée et l'exposant à la lumière. Pour développer son invention, il s'est associé avec Daguerre qui, après la mort de Niepce, a amélioré le procédé et inventé, en 1833, le daguerreotype. Aujourd'hui, on produit tout type de photographie, à savoir artistique, publicitaire, des modes, documentaire, journalistique, aéro-orbitale et avec des drones, sous-marine, nocturne, paysagiste, astronomique, planétaire ou du ciel profond, scientifique et macrophotographie. Voyons maintenant les raisons pour lesquelles la photo est considérée comme le passe-temps, métier, le plus complet de l'art. Tu peux photographier tes propres créations, comme cet artiste qui, en marchant sur la neige, crée des belles œuvres qui deviennent les sujets de ses photos. On a besoin de très peu de matériel et de matériaux pour débuter. Voyons d'autres raisons qui font de la photographie un véritable art. Voyons maintenant quelques-uns des genres appartenant à la photographie d'art. Ce photographe, par exemple, travaille conceptuellement pour arriver à des clichés spectaculaires.
Un autre grand photographe du genre conceptuel fut Reng Hang, qui malheureusement s'est enlevé la vie étant très jeune. Si ce que tu regardes ici te plaît, invite tes contacts et tes amis à s'abonner à la chaîne Arte con Todo et ses publications hebdomadaires. Profitons de ces quelques beaux exemples de photographie artistique. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de cliquer sur like et de le partager sur tes réseaux. Merci de le regarder jusqu'à la fin. Nous nous verrons donc lundi prochain avec une nouvelle manière de faire de l'art. Je resterai attentif à la quantité des nouveaux adhérents. À bientôt !